Maintenant, on va voir comment faire un petit peu de latte art. Pour ça, je vais faire un flat white. Donc un flat white, c'est un double espresso que j'ai déjà préparé à l'avance. Maintenant, on va se concentrer sur le lait. Le lait, déjà, je conseille d'utiliser un lait frais qui n'est pas chauffé à ultra haute température. On aura une meilleure texture de lait et le goût aussi va complètement changer. Donc, il suffit de le verser à peu près à moitié. On est prêt à faire mousser le lait, donc il faut le faire mousser juste un peu pour un flat white avec une température entre 50 et 60 degrés. Donc pour connaître la température, dès que ça chauffe un petit peu les mains, c'est qu'on atteint les 50 degrés. Donc on peut arrêter juste une demi-seconde ou une seconde juste après. Ensuite, il y a encore un petit peu de bulles qui sont créées, des grosses bulles qu'on n'a pas envie d'avoir dans la tasse finale. Donc il suffit de tasser légèrement la cruche et ensuite mélanger pour bien combiner le lait et avoir une texture bien brillante. On peut mélanger aussi l'espresso. Ensuite, donc on va commencer par verser à quelques centimètres au-dessus du café. Puis s'approcher tout en versant légèrement plus rapidement. Donc un point, deux points, trois points, quatre. On monte et on croise pour finir la tulipe. Et voilà.